micro, répondez dans le micro.
donner des offrandes. Tu as 50, tu as 100 francs, tu as 10 000, tu as 50 000, tu as 100 000. Il faut donner à Dieu. Et surtout en donnant, il ne faut pas bouder. Il faut donner avec plaisir. Et donc les paniers sont là. On va redonner encore un cantique très enlevé. Et on va venir donner à notre Dieu celui-là qui pourvoit le besoin. La tempête déchaîne, mon cœur est en paix. On va prendre les pieds. Oh,
nous allons prier pour les offrandes qui ont été données. Seigneur, nous te disons merci de celui-là qui pourvoit en or et argent, détecteur bien sûr d'or et argent. Nous disons merci pour ceux-là qui ont donné dans ta maison. Merci également pour ceux-là qui n'ont pas pu donner dans leur demain, afin que ces personnes-là viennent donner dans ta présence. Au nom de Jésus, tout le monde peut dire Amen. Bonne fête, maman chérie. Bonne fête, maman chérie. Que Dieu vous bénisse les mamans. Que Dieu vous bénisse les mamans. Vous êtes aujourd'hui à l'honneur. Nous sommes aujourd'hui à l'honneur. Et comme pouvait le dire David, dans le psaume 122, verset 1, je suis heureuse qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Dites Amen. Dites Amen. Qui n'est pas content d'être là? Qui n'est pas content d'être là? Tout le monde est content. Toutes les mamans sont contentes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez que c'est un programme spécial aujourd'hui. Je voudrais dire merci à papa. C'est lui qui a permis que je prenne le micro aujourd'hui pour diriger pour la fête des mères. Que Dieu le bénisse infiniment. Amen. Je bénis également le nom de Dieu pour ce temps clément que je lui ai demandé dans les prières. Il faut le dire. Et donc nous sommes à une autre étape de notre moment de culte. Voilà. Et c'est l'étape bien sûr des annonces. Le rappel de culte. Dieu. On va donner les annonces. Il faut retenir qu'aujourd'hui est dimanche 31 mai 2015. Et c'est un grand jour pour les femmes du monde entier et particulièrement pour les mamans des Aroko et pour les mamans du FCA de Tifo. Il faut applaudir cela très fort. Il faut applaudir cela très fort. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et nous disons merci donc à Dieu de nous avoir donné une grande marraine. La marraine, c'est Madame Kouan. C'est Madame Kouan. Ok. Et je crois que celui-là même qui a habilité, c'est mon papa, c'est ton papa, c'est votre papa, c'est notre papa, le prophète Joël Crasson, on se prépare à appeler papa, et si ça laisse que j'appelle papa, il faut l'applaudir très 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 fort. Il faut l'applaudir très 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 fort. Il faut l'applaudir papa très 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 fort. Aujourd'hui c'est notre jour. Papa va parler parce que c'est lui qui est devant. Viens t'asseoir. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu. Monsieur Nigot. Merci encore pour cette rencontre. Thank you for this meeting. Merci parce que tu es Dieu. Thank you because you're God. Permets encore que nous puissions nous rencontrer ce matin. Permit us to meet here this morning. C'est un jour très important pour nous. An important day for us. En tant que croyants. As believers. Oui, un jour mis à part pour t'adorer. To glorify you. Parce que nous te reconnaissons comme Dieu. Because we recognize you as Mais God. En même temps, un jour très important pour l'être cher. It's also an important day for great women. Nos mamans, our mothers. Je m'abandonne entre les creux de ta main. So I forgive myself in your hands. Utilise ma personne, Seigneur. So that you can learn me. Et fais-nous du bien, Seigneur. And do us good. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu. Bless us. Au nom de Jésus que j'ai prié. In the name of Jesus I prayed. On dit Amen. We say Amen. Est-ce qu'on réclame Jésus? Je vois moins de papas, mais ça fait rien. There are not many dads here. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur d'abord? Cheering the Lord. Nous acclamons le Seigneur. Cheering the Lord. Alléluia. C'est un événement, veuillez vous asseoir, c'est un événement très important. It's a great event. Je suis très heureux de voir, pendant qu'on acclame, les mamans, on s'élève, parce que c'est vraiment
qu'elles sont vraiment très importantes pour la vie de l'être humain. I'm very happy because they are very important. Parce que ce sont vraiment qui ont beings, because they give birth. J'aurai l'occasion de développer un peu le thème. I will give more information about it. Et je pense que l'événement devait avoir lieu hier, samedi. I think that the event should take place yesterday. J'ai décidé que ce soit dimanche. I have decided to put it on Sunday. Parce que je voudrais que les gens comprennent la portée spirituelle de ce qu'appelle maman. People must understand the real importance. Généralement, quand nous regardons la télé, nous voyons des gens célébrer les mamans en train de faire des sketches, danser. Sometimes we see on TVs. Oui, la maman qui a dansé, on la voit derrière les bagages. And then we see them. Elle se retourne à la rue avec les enfants, les divorcés. Going back. Il faudrait que nous reconnaissions quelque chose des mamans. Donc, c'est la première édition. It's the first edition. Au niveau de notre ministère, bien sûr. For our ministry here. Oui, c'est parti depuis l'ONU où cette date, on a nommé cette date comme la fête des mères. Things are been. Et c'est bien pensé. Commemoration of the Alléluia. Days. C'est très bien pensé parce que c'est biblique. This is biblical. Je ne vais jamais fêter fête des pères comme on est en train de fêter la fête des mères. I will never celebrate Father's Day as we are celebrating this now. Je m'en fous si vous êtes jaloux, les papas. I'm fed up if you are jealous. Vous savez que les femmes sont importantes. You know that women are important. Quand tu cherchais ta femme dans le noir là, si tu piquais là, tu voyais pas l'importance de ça. When you were wooing your wife. You didn't know the importance. Les femmes n'acclamaient pas le Seigneur. Vous m'avez fatigué. Dans les moustiques. You tired us too much. And mosquitoes. Quand tu es amoureux d'une femme, tu n'as plus peur. Yeah, when you are in love with a et woman. Et que soit la pluie. You're no more afraid. Tu es dans la rue, derrière la clôture. Instead of rains. Whatever could happen. Des gens. Après ça, bon, ça devient mariage. Et puis elle devient mère. And after we have the wedding, tout cela c'est important. Il faudrait qu'on développe un peu ça. Mothers. Au fait, c'est parce que l'Afrique n'a pas encore compris cette portée. Africa has not yet understood. Nous sommes en retard. L'Europe a encore découvert cette valeur. L'Europe a compris cette valeur parce qu'ils ont décidé de ne plus poser les femmes. They have lost this value because they didn't consider women. Les hommes avec les hommes. Men with men. Les femmes avec les femmes. Women with women. Je suis vraiment déçu. I'm really sorry. De voir des grandes nations. To see great nations. En train de voter cette loi. Voting this kind of law. En train de défier Dieu. Defying God. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de mamans dans un foyer. We no more are going to have mothers in the house. Des êtres de même sexe. Two young beings. L'enfant sait pas qui est père. Of same sex. Qui est maman? C'est dangereux. That is dangerous. Or l'ONU vote. L'ONU a décidé que cette date soit la fête des mères. The nation have decided this day to be. Une femme est importante dans un foyer. Mother's Day. J'ai l'occasion de développer ça et les gens vont m'écouter parce que bientôt ça sera juste. Les gens vont m'écouter, ils vont savoir que c'est sérieux. People avoir une mère dans une maison. It's really important. Il suffit de décréter une date comme fête des mères, mais il faut comprendre la portée d'une mère. We have to understand the role of the mother. Amen. Moi, j'ai perdu ma mère. I lost my mother. Je suis après ce qu'on appelle maman. And after that, I realized. On ne peut pas la remplacer. What a mother is. Jamais. Elle ne peut pas être remplacée. Et c'est la femme. The woman. Qui devient mère. Becomes mother. Et je vous donne l'occasion de vous expliquer. I will explain to you. En quoi elle devient mère dans un foyer. What the role of the mother is. C'est cela que moi j'ai décidé sous l'inspiration du Saint-Esprit. De faire de ça un événement. Un événement national. I have decided. C'est vrai que c'est national, les gens s'élèvent, les mains, c'est intéressant. On voit les gens faire des sketches, sponsorisés par les grandes sociétés. Doing sketches. M'intéresse ça, je ne vois pas la portée spirituelle. But beyond this, I don't see the spiritual value. De la fête des mères. Of Women's Day. C'est ce qu'on va essayer de développer tout à l'heure. That's what we're going to develop. Je disais ça chez moi à la maison ce matin. We're talking about it this morning. Je ne vais jamais célébrer fête des pères comme je suis en train de faire. I can never celebrate Father's Day. Parce que vous et nous, il n'y a pas de concurrence. Vous nous gagnez 1000 buts. Amen. Les mamans, elles gagnent 1000 buts. Women. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la vertu de la femme, la valeur de la femme. We're going to speak about the value of women. Et c'est vraiment important. Really important. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. Donc, c'est la première édition. That is the first edition. C'est la première édition. J'ai une fille, une de mes filles qui m'a approché.
one of my daughter. Ça date pas de maintenant. Elle m'a approché pour dire c'est bientôt, très bientôt la fête de mère. Came to tell me that. Dieu m'a mis so à we to celebrate Mother's Day. D'honorer les femmes du ministère. So we must honor it. I mean, we must honor women of the ministry. Et je dis, j'ai dit à ma fille. And I told her. C'est une bonne idée. That's a good idea. Amen. Amen. C'est une bonne idée. It's a good idea. Et je valide. I accept. Et j'ai appelé certaines personnes, j'ai mis en contact avec des personnes. And I put them in contact. Je n'ai pas voulu moi-même m'impliquer à fond dedans. I didn't want to be involved myself. Pour voir. Just to see. De quoi les femmes sont capables. To see what women can do. Vous m'avez fait une surprise agréable ce matin. Amen. I was very surprised. Une surprise agréable. A good surprise. Amen. Amen. Vous m'avez fait une surprise agréable parce qu'on ne joue pas you avec la femme. Surprise. Quand une femme est impliquée dans une affaire, ça marche. When a woman is involved so in an action. Quand une femme à 100% dans un foyer, dormez tranquille, ça va marcher. Mais quand une femme à 50%, ça ne marchera jamais. But when the woman does not do actions, elle doit jamais être à 50% dans un foyer. Does her action elle doit dépasser la moyenne. Is it a 100%? La femme doit dépasser la moyenne dans le foyer. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Women must go over the average. Quand ma fille va approcher, j'ai dit gloire à Dieu. C'est tellement biblique. So when she came to see me, to c'est meet tellement me, biblique. I told her that parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme I said a trouvé Bible, le bonheur. The one who has found a woman has found happiness. Je vous pose la question de vous à moi. A question. Qu'est-ce que nous cherchons sur la terre? What are we looking for here on earth? Non, le bonheur. Happiness. Non, non, non. Tu peux trouver un foyer puis ça peut se gâter. You can find a house. C'est le bonheur. But what will happen after? We are looking for happiness. Vous cherchez un foyer. You're looking for a house. Foyer là c'est bonheur. The house is happiness. Et celle qui apporte le bonheur. And the one who brings happiness dans un foyer, in a house, c'est le bonheur. Or la Bible dit que celui qui a trouvé une femme, and the Bible says the one who has found le bonheur. On n'a pas dit un homme, hein? A woman, je vais développer ça. Has discovered happiness. Si si. On n'a pas dit un homme. On we don't say man. Trouvé une femme, a trouvé but we bonheur. Say donc, the one who has found le bonheur a woman dans la maison has found. Donc c'était vraiment important pour nous en tant qu'église. So it was important for us as church to celebrate women. Les gens disent non, faut qu'on fasse. Je dis non, il faut dire ça fait partie du culte. Que les gens comprennent que c'est tellement sérieux. Of this service. Et que nous voyons la portée spirituelle really de la chose. Serious. Amen. Et je sais que c'est une femme, c'est une de mes filles qui m'a approché et qui m'a dit qu'il faudrait que je prends ça, je vais te soutenir. One of my spiritual daughter. Il faudrait consulter les femmes. Give me that idea. Qui supporte women. Et ça m'a touché moi personnellement, ça m'a fait chaud. And I was really. Je sais combien de fois je souffre dans le secret. Because I know how I suffer in secret. Alors je souffre parce que je combat la sorcellerie. I suffer because I fight witchcraft. Si ce ministère vous donne ça une journée, d'autres vont devenir fous si je ne supporte pas. Si on vous annonce à une journée, vous allez comprendre combien de fois. If we give you that power, vous aurez, that vous fight, plus d'ennemis for just one day, you're going to see how enemies you're going to have. Il y a trop de bouches derrière. So many mouths. Heureusement, gloire à Dieu. Et puis il y a des femmes qui m'ont soutenu. Glory to the Lord. Qui m'ont soutenu tout le temps. Some women are supporting me. Et c'est le ministère, c'est les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus. And the women have supported. Si vous avez vu la Bible, the ministry of Jesus. C'est les femmes, la Bible a bien mentionné ça. Les the Bible, women, soutenaient le ministère de Jésus. Supported, I mean, the ministry alors of Jesus. Que les hommes avaient peur. Instead of, elles croyaient à la résurrection de Jésus. Men were afraid. C'est les femmes qui ont porté la bonne nouvelle au royaume. C'est les femmes, women. C'est aux femmes à qui les hommes ont apparu pour dire. Pourquoi vous cherchez pour celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. C'est les femmes qui ont annoncé que Jésus est ressuscité. And it was the women. Pendant que les gens avaient peur, we announced that Jesus was c'est les femmes qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Pas les hommes.
of women, not men. Pour cela que dans un foyer, quand une femme est à 100, je suis pas trop exagéré, 70% dans un foyer, je dis pas la moitié, c'est même pas bon la moitié. That's why when 70% a woman is dans un foyer, house, l'homme doit être tranquille, ça va marcher. The man must be quiet. Amen. Mais quand les femmes sont impliquées dans un ministère, dans une affaire, and even when women are involved, on dit souvent quand in ministry, les femmes veulent Dieu veut, non, je n'explique pas ça comme ça. Amen. Amen. La femme est un bonheur de l'homme. Woman pour moi, c'était vraiment important selon Dieu de célébrer ce matin les femmes. Amen. So it's important for us to celebrate women. Je veux présenter Madame Poix.